Le cabinet juridique, toujours dans sa politique de partenariat avec la société Géonet, a décidé de pouvoir effectuer une visite de site dans la zone d'Aoué. Et là, nous sommes avec le directeur de Géonet qui aura l'occasion de pouvoir présenter sa structure de sorte à pouvoir évoluer dans les échanges. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Pouvez-nous brièvement vous présenter votre structure, s'il vous plaît? Bon, je suis le PDG de Net Géotopo. D'accord. Une structure de lotissement et de réhabilitation, d'aménagement des terrains. Là, nous sommes dans une zone qui n'est vraiment pas éloignée d'Abidjan, n'est-ce pas? Nous sommes, je crois, à pratiquement une dizaine de kilomètres d'Abidjan, c'est ça? Non, peut-être 5 kilomètres d'Abidjan. 5 kilomètres d'Abidjan, plus précisément dans la zone de Aoué. Alors, que vous inspire cette zone dans le cadre de votre politique de lotissement? Pourquoi Aoué, disons? Bon, Aoué fait partie du Grand Abidjan. D'accord. Et puis ici, c'est l'extension de Cocody. Donc ici, c'est vraiment très calme. D'accord. Donc c'est un lotissement. Il y a une question d'un lotissement sur... Oui, c'est un lotissement sur 26 hectares. 26 hectares. Et ce site appartient à une famille, une collectivité? Non, à un collectif de propriétaires terriens. D'accord. Et juste là, quels sont les acquis que vous avez sur cette parcelle? Bon, nous avons des clients qui veulent des terrains ici. D'accord. Donc, on veut viabiliser le site, mettre des poteaux, faire venir l'eau, puis aussi connecter le courant. D'accord. Donc, puisque le courant est tout près là. D'accord. Du point de vue administratif, vous pouvez nous dire déjà les étapes qui ont été franchies? Bon, on a fait la demande de l'ACD qui est en cours, mais le site est frappé de ZAD, zone d'aménagement différé. Donc, on est en train de faire des démarches pour pouvoir enlever le ZAD. Enlever la ZAD, ok. Voilà, donc, une fois que la ZAD sera enlevée, je veux dire... Quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, c'est l'ACD maintenant. C'est l'ACD. Oui. Et quelles sont vos attentes par rapport non seulement au village? Est-ce qu'il y a une action que le village doit mener envers vous pour vous permettre d'aller plus vite? Ou vos actions, ou vous avez des attentes par rapport à des personnes, des structures, des entreprises? Qu'est-ce que vous attendez, je veux dire, de ces différentes personnes? Bon, déjà nous avons des associations qui ont déjà opté pour ce site. D'accord. Voilà, c'est le but même c'est le but pourquoi même on veut viabiliser le site. D'accord. Parce qu'il y a des associations, il y a des ONG, il y a déjà l'association des agents du Trésor qui ont opté déjà pour une trentaine de terrains ici. D'accord. Voilà, donc pour l'instant ça va. D'accord. Donc le lotissement est assuré exclusivement par la société Géonet. Vous n'avez pas de partenaire avec le Sutu? Non, non, pas de partenaire. D'accord, c'est déjà bon. On tient à rappeler ici que dans le cadre de cette politique, la société Géonet spécialisée dans le bâtiment à l'exclusivité du contrat. Bien sûr. Donc, il s'agira d'un lotissement en bonne et due forme. Oui. Et les dossiers sont avancés. Déjà au ministère, vous avez l'ordre de recette. Il y a déjà d'autres procédures qui sont en cours pour enlever la ZAD, puisque le site est frappé de ZAD. Mm-hmm. Donc je pense que vous êtes beaucoup avancé. Oui. Et d'ici combien de temps vous pensez débuter les travaux sur cette parcelle? Bon, déjà on a commencé. Donc j'étais en communication avec le machiniste. D'accord. Donc peut-être d'ici le 5 ou le 10, la machine sera là. D'accord. Pour recommencer encore le décapage et le terrassement. D'accord. Donc on tient à vous dire merci. Merci, et c'est pour bon ce dynamisme et pour cette efficacité que vous avez. D'accord. Dans le cadre de vos projets de lotissement.
Thank you.